Et bonjour tout le monde, chers Galaxiens, chers Galaxiennes, comment allez-vous? Moi ça va super bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur PCF 2013 pour le Tour de France virtuel, bien entendu, entre Annecy et Annecy-Semnoz. Donc on va gravir à la fin de l'étape de 126,2 km le mur Semnoz, et je vous assure que ça va pas être de la tarte. Donc c'était une victoire en IRL, si on se souvient bien, sur le Tour de France 2013 de Christopher Froome. Donc on est parti, on va essayer de le remporter les amis avec Alberto Contador, on verra bien, pourquoi pas, c'est possible. Allez, alors, Olivier Zoug, Contador, on va reprendre, comme d'habitude, les amis, à chaque début d'épisode, les bons équipiers, en tout cas, les bonnes personnes pour le Tour de France, Kreuziger, Noval, c'est tout, je crois que c'est tout, et Cantwell, on l'avait ou pas? Il me semble qu'on avait Cantwell, Majka, ouais, on avait Cantwell, let's go. Nickel Chrome, on prend, comme d'habitude, la Team Saxo Tinkoff, voilà, et on est bientôt, mine de rien, les amis, à la fin de ce Tour de France, c'est l'avant-dernière étape. Au niveau de la forme, on est en excellente forme pour le Semnoz, donc c'est déjà très très bon pour Contador. Les favoris du jour, les amis, c'est, bien sûr, Alberto Contador, grand favori du jour, suivi de Christopher Froome, de Rodriguez et de Nibali. En tout cas, on va bien s'éclater, une grosse bataille en fin de course. En tout cas, les amis, petite présentation de l'étape d'aujourd'hui, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le départ de la 20e étape va être donné dans quelques instants d'Annecy, la préfecture de Haute-Savoie. Si le tracé proposé est le plus court de cette 100e édition, 125 km, il propose tout de même deux ascensions majeures, le Mont Revard et le Mont Semnoz, l'ultime col de ce Tour de France. À la veille de l'arrivée finale sur les Champs-Élysées, les protagonistes de ce tour n'auront pas le droit à l'erreur. Après trois semaines de course, personne n'est à l'abri d'une défaillance sur les pentes ardues du Mont Semnoz. Au sommet de ce dernier, on connaîtra enfin le podium final de ce 100e Tour de France. Et oui, les amis, on entame maintenant la dernière étape de montagne de ce Tour de France. Ça va être vraiment exceptionnel, surtout à la fin avec le Mont Semnoz, avec le mur, et ça va être horrible. Allez, attaque de Zabriskie, attaque de beaucoup de monde, de Rencho, etc. On s'en fout un petit peu, donc on a tout de suite des de la montagne, donc on va devoir faire attention. Alors moi, je vais pas me dévoiler jusqu'au bout, on va faire une petite pause et on va établir un petit peu quelques petites règles au niveau de mes coureurs. Kreuziger qui a protégé Contador, Zoug, bah je fais toujours comme ça en fait, je fais tout comme d'habitude. Rogers, c'est avec qui? Peut-être avec Zoug, Nicolas Roche qui va protéger, non, Rogers qui a protégé Nicolas Roche. Cantwell, on s'en fout. Majka, j'avais dit, c'est avec qui Majka? Majka, il va protéger. Bah attendez, Rogers protège Roche. Rogers, c'est con. Attendez, au pire, si, ouais, c'est pas grave. Majka qui va rester tout seul alors. Donc Zoug qui a protégé Majka. Ok, on est d'accord. Kreuziger protège machin. Cantwell, Nicolas Roche, Contador, Zoug. Zoug avec Majka, voilà, Breschel avec Benati, et Rogers avec Nicolas Roche. Tout va bien. Alors Nicolas Roche, on va le faire remonter. Ensuite, qui c'est qu'on a? On a Majka, pareil, tu remontes. Cantwell, tu remontes. Contador, tu remontes. Et Benati, tu remontes. Voilà, on va faire remonter toute l'équipe. Ok, en plus ils sont tout au bout, tout le monde est en queue de peloton. Ça c'est magnifique, alors pourquoi je n'ai pas de chance comme ça? Allez, on devrait rapidement pouvoir remonter, hein. Tranquillement, alors par contre, on va passer à 59, à 60 quand même, pour pas les crever dès le début. Allez, je vois qu'il y a Breschel et Benati qui monte rapidement, Contador qui suit, pas de soucis. Et moi, je vais pas attaquer les amis dès le début de course. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, très classiquement, on va attendre la fin, c'est-à-dire, il me semble, juste avant le mur de Semnoz, pour attaquer avec Alberto Contador, hein, je pense. À mon avis, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Allez. Alors, c'est bon, Breschel Benati qui remonte. On attend encore les autres, Cantwell, Kreuziger, Conti. Donc là, ça commence à monter. Attention, quand ça commence à monter, on va se calmer un petit peu. Allez, nickel. Alors, donc là, on va s'arrêter peut-être parce que c'est une épreuve de montagne. Donc je vais arrêter... Attendez. On va arrêter qui, là? Rogers, c'est machin. C'est parti pour la première ascension. Attention, ça va être chaud. Alors, qui c'est qu'on va arrêter, là? Contador, Kreuziger. Alors, Contador, on va le laisser là. Contador, il est où Contador? Conta. Hop, il protège qui? Nicolas Roche. Ouais, Nicolas Roche, il va continuer à monter. Cantwell, on va le laisser là. Creusy avec Conti.
On va le laisser là, il est pas mal. Le peloton vient de reprendre les échappées. On va rester comme ça, tranquillement. En plus, on a repris les échappées, il n'y a pas de problème, quoi. Tout va bien. C'est bon, on est bien remonté. Machka, il est là. On va l'arrêter. Nicolas Roche. Nicolas Roche, on attend qu'il remonte un tout petit peu plus. Et Benati, Benati il est là, on le laisse tranquille. Par contre, Nicolas Roche, hop c'est qui là, c'est Porte. Ouh, Porte qui remonte, hein. Nicolas Roche. Nicolas Roche, hop on y va. Tranquillement, tranquillement. Voilà, allez on va rester tranquille. Voilà, on est cool, on est bien, on est pépère. Et maintenant les amis, ce que je vous propose c'est qu'on accélère un petit peu la durée. Alors par contre, attends, Navarro. Caruso de Claire, ça peut faire quelque chose cette... cette petite échappée. Cataldo, Siutsu. Y'a qui d'autre? Ok, y'a Smith, Kreuziger, Jérôme. Pas d'inquiétude, vraiment aucune inquiétude là. Peter Sagan. On s'en fout. Allez, on va augmenter le temps du coup les amis. Hop, on va mettre en x8. Voilà, de toute façon, je n'ai aucune utilité de rester en x1. Donc du coup, on va aller un petit peu plus vite. Ça va être peut-être une étape un petit peu plus courte, tout comme la prochaine. Bien sûr, les deux dernières étapes qui restent seront bien plus courtes, vu qu'il n'y a bon aucune... vraiment gros problème. Après, juste avant le mur, le Sennose. Donc il n'y a pas de problème. Allez, on va aller faire recharger. On va envoyer qui? On va envoyer Machka, non, Kreuziger, Cantwell. On va envoyer peut-être pas Cantwell. Il est... D'accord, il est largué. Ok, j'avais pas vu. Alors, on va envoyer qui? Benati, Rogers, il est en défense. Au pire, j'envoie Rogers. C'est qui est là? Machka, Zog. On va envoyer Zog. Allez, on va envoyer Zog. C'est parti. Zog, va chercher Bidon. Let's go. Et Zog, par contre... Attendez, on va mettre tout le monde. Ah. 70. Benati, non. Je vais te mettre à 50, ça va très bien. Plutôt, on va mettre tout le monde à 65. Voilà, lui, il va chercher les bidons. Il est où? Il est là. Zog, c'est bon, il s'en sort bien. Et enfin, Contador, il est là-haut, pas de problème. Ah, il est au tout début, hein. Ah non, il y a quand même tout ça avant. Ok. Caruso, mon dieu. Caruso, il est parti, et quand il est parti, ça peut faire mal. Mine de rien, il part, mais il peut faire mal, lui, hein. Bon, quand même, je pense pas qu'il va arriver, qu'il va aller jusqu'au bout. Ce sera abusé. Capecchi, à qui il n'y a pas grand monde, hein. Pas de problème, alors. Thomas, Montfort, Astarloza, meilleur. Jadson. Pas de problème, qui c'est qui part? C'est Capecchi et Stelina. Bon, ça va pas aller bien loin ça. Morabito. Ça va, ça va. Allez, c'est tout bon. Alors, qui c'est qui envoie ça? Zog, qui continue, qui remonte un petit peu le peloton pour donner simplement les bidons. Allez, on avance et là, on va entamer encore une fois un col, les amis, un cocol. Allez, Zog, tu remontes, t'as ravitaillé tout le monde, nickel. Zog qui retourne. Oula, attaque de Thomas de Gent. Ah d'accord, ils sont dans l'échappée. Ah, ils ont formé une petite échappée quand même, ils ont réussi. Ok. Oula, c'est moi où on est arrêté. Oh, c'est une impression, je pense. Ouh, ça grimpe ici alors. Je pense plutôt que c'était pour les points montagne, ça. Je pense pas qu'ils vont aller bien loin. Il y a Montfort, encore une fois, il y a Montfort qui est dans tous les coups, j'ai l'impression. Allez, ils sont à 1 minute 45. Bon, au pire, on peut les laisser partir. A savoir une chose, c'est que dans le Semnose, on ira à fond avec Conti. On ne s'entend plus en tête du nickel, peloton. Tant pis, c'est pas grave, tant mieux même. Allez, alors Cantwell par contre, on va le donner les trucs. Cantwell est mort. Il est en dernier ou pas? Non, il y a Marcus avant. Et Cantwell n'en peut plus. Pareil pour machin, Zinolo. Ok, donc moi je suis quand même assez à l'avant avec mon équipe. Il n'y a pas de problème à se faire. Allez, 2 minutes d'écart, attention. Regardons un petit peu, les amis, l'échappée du jour. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Hop, ah, Montfort qui demande un petit peu des... Et ils demandent tous des bidons, vous voyez, ils ont tous leur... L'IA est assez automatisée, finalement. Yeah. Morabito. Super. Oh, c'est quoi, ça y est? Il n'y a plus de son. Il n'y avait plus de son. Il n'y avait plus de son. J'espère que ça n'a pas coupé la capture, sinon c'est bien dommage. Je ne pense pas. Il y avait une petite coupure quand même. Une petite coupure. Bizarre. Ok. Le peloton a ralenti. Regardez ça, avec l'effet de soleil là, c'est super. On est en ligne, tout va bien. Joli, joli, joli. Bon, ok. Je suis en train de m'endormir sur cette vue de caméra. Allez, regardons un petit peu l'écart entre les deux. 3,45 mine de rien. 3,45 quand même. Ah, il y a mon équipe qui est toujours à peu près devant, on va dire.
J'y vais à peu près. Allez, on va augmenter l'allure. Du moins, on va aller plus vite. Au niveau du temps. Montfort, vainqueur du sprint montagne. Tu m'étonnes. Allez, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. La Sky, regardez, commence à relayer. Avec Sutsu et Cataldo. Également, la team Katusha, tellement présente sur ce Tour de France virtuel. Ok, on est là, nous. Froome doit être par là. On entame la deuxième moitié de la course. Les coureurs vont maintenant être de plus en plus vigilants. Ok. C'est nickel. On va augmenter encore une fois l'allure. Il n'y a plus rien à faire. De toute façon, on est à 63 km, les amis, de l'arrivée. On est à 3,50 de l'échappée, 3,39. Ouais, elles sont en train de perdre un petit peu de temps, là. Regardez que c'est en train de relayer devant. Donc forcément, ils perdent vachement du temps. Oula, là, il y a la grosse montée. J'ai pas fait attention. On est toujours là avec Conti, ou avec Conti, Kreuziger, Roche, Rogers, Zog et Machka. Ok, pas de... à mon avis, ça va se décrocher au fur et à mesure là. Ouais, elle est déjà en train de se décrocher. Brechel, Machka est où là? Machka. Oula, faut que je redonne du. Je suis à moins 2 avec Conti. Oula, attendez. Ah d'accord, on est dans le peloton quand même là. Ah, c'est la montée là. Ok. Je vais prendre Machka, tant pis, je vais le griller ou Rogers. Je vais prendre Roger, je vais aller récupérer des bidons. Ou peut-être Nicolas Roche. Ouais, Nicolas Roche plutôt, parce que je vois qu'il a 0, donc il est pas spécialement en forme. Tant mieux. Machka par contre est à plus 4. On va faire quelque chose avec lui. Je vais voir si Contador se réveille, puisqu'il a moins 2, c'est pas cool. Un Contador à moins 2, c'est pas génial. Semble trop élevé pour beaucoup de coureurs. Oh là là. Il y a qui? Il y a. Oula, il y a toute la team là. Toute la team Katusha, les amis. Il y a Rodriguez qui est juste devant. Méfiance, méfiance. Il y a qui là? Cataldo. Ok, ça va pour l'instant. On est à 3-10. De l'échappée, ils sont 6. Alors, ils peuvent faire quelque chose. Hein. Vraiment, je pense qu'ils arrivent à accélérer encore un peu. Non, 3 minutes, ça va être très léger. 3 minutes, trop léger, je pense. Allez, il y a Valverde, là, qui remonte. Je pense qu'il faut faire remonter Contador, moi. Allez, est-ce que Nicolas Roche va réussir à revenir ou pas? À mon avis, non, ça va être trop chaud pour Nico. On va voir. Au pire, on n'est pas non plus à ça après. On va le mettre à 70 et puis on fera ça après dans la montée. Allez, c'est bon, il y a Rogers qui le couvre. De toute façon, pas de problème. Pas de soucis, il y a Rogers qui le couvre. Donc heureusement, ils sont deux pour remonter tout ça. Contador, ouais, il faudra vite leur donner les bouteilles là, s'il vous plaît. Froome est juste devant. Ok, en plus, je vais faire remonter légèrement Conti. Vraiment léger. Hein. Voilà, fait remonter Contador vers Froome. Nickel, Froome. Alors, il est où celui avec le bidon, Nicolas Roche. Ah, Nicolas Roche, t'as plus 2. Attendez, il a plus 2, Nico. Hein. Plus 4 pour Machka, plus 4 pour Contuel, plus 2 pour Roche, et moins 2 pour Contador. Allez, il manque plus que Contuel, Kreuziger et Contador à être ravitaillés. Et ton boulot sera fini. Mais Nicolas Roche, plus 2, ouais, je suis assez épaté quand même. Plus 2, franchement. Ouais. L'échappée du jour ne convient pas. Allez, il y a Kreuziger qui est en blanc, enfin qui n'a plus de bouteille. Contuel également. Tout va bien, alors attention là, on va attaquer bientôt les amis la descente, c'est tout bon. Allez, Cantwell, on va lui donner une bouteille. Hop, alors Roche. Ah, je vois plus rien, super. Hop, on va le remettre derrière. Donc on est plutôt bien ici. Contador, Roche, Cantwell toujours bidon. Donc je pense peut-être qu'on va essayer de gagner l'étape avec Nicolas Roche ou Machka. Alors je verrai plus Machka parce qu'attendez, il est à... Machka est défendu par Zog en plus. Ah ouais, là on est pas mal. Franchement, on est pas mal du tout. Allez, je vais remonter avec Conti. On y va. Nickel. Allez, on remonte un petit peu. Concentration, il y a Froome ici, non? Non, il y a Uran. Froome, il est devant. Donc vraiment, faut remonter avec Contador. Un maximum. Heureusement que j'ai Kreuziger pour me protéger. Nous entamons le dernier Roche et Rogers. Au pire, il faudrait que je mette Machka. Il est où? Machka, ce que je vais faire les amis, Rogers, on va le laisser, mais je vois que Machka plus 4 et Nicolas Roche va protéger Machka, ils vont être tous les deux je pense. Je pense que c'est plus intéressant. Machka, Zog, on va te laisser. Par contre, Machka va être protégé, Nicolas Roche va protéger Machka. Bim, voilà. Je pense que c'est mieux. Et Machka va remonter. Boum, Machka va remonter, pareil pour Contador au fur et à mesure. Contador qui va remonter. Ok. Il est à moins 2 encore, Contador. Ça m'inquiète vraiment beaucoup par contre. On est dans la descente. Cette descente va permettre aux coureurs de récupérer un peu de leurs efforts.
Il est où machin? Et là il y a Smith, Valverde. Ok, on va rester là. Et Creusy. Ok, nickel. Qui c'est qui devait remonter aussi? Il y a Machka. Machka, il est où Roche? Eh, Roche, fallait protéger Machka? Qu'est-ce qu'il me fait, Roche? Qu'est-ce qu'il me fait, Roche? Sérieux. Il a complètement lâché, Roche. Allez, c'est bon pour Machka. Alors, Machka, il est en forme. Ah ouais, je le ressens, mine de rien. Je ressens qu'il est vraiment en forme. On va mettre tout le monde. Ah, 71, tous ceux qui sont là. Allez, on maintient. On maintient notre place dans ce peloton. Apparemment, Gasparato va revenir. Et on va attaquer bientôt, les amis, le Semnose. Donc, un petit peu, on va faire attention. Il y a qui ici? Ok, on fait gaffe. Donc, c'est bon, apparemment, les leaders sont pas tout devant. Visconti, il y a Froome là. Il y a Froome là, attendez, il y a Froome là. Il y a Rodriguez qui est ici. Ouais, faut faire remonter, il y a Valverde. Faire remonter, les amis, Nicolas Roche, donc il protège Machka. On va faire remonter Machka et Contador. Ou alors, au pire... Eh, vous savez ce qu'on va faire? Creusiger, il est où? Il a combien? Creusiger, il a plus 1. Ah, Creusiger, il a plus 1 quand même. Ok. Alors, en fait, ce qu'on va faire, on va mettre Machka et Contador. Non, c'est une mauvaise idée. Et pourquoi? Attends, Creusiger, il a combien? 76, 78. 77, 78. Ouais. Non, je vais laisser Creusiger et machin. Par contre, Machka, ouais. Je sais pas trop qu'est-ce que je fais en fait. Parce que Machka est quand même à plus 4. Ouais. Allez, ce qu'on va faire. On va mettre Creusiger, non, Roche qui va défendre Creusiger, on peut pas. D'accord, Roche, par exemple, à Machka. Bim. Non, on va le remonter, Roche, calme-toi. Par contre, Roche, tu vas protéger Creusiger. Creusiger qui protège Contador, Contador, on s'en fout. Roche, tu vas protéger Creusiger, Contador. Qui c'est qui va protéger Contador, par contre? C'est notre ami Machka qui va protéger Contador, s'il te plaît. Parce qu'il est à plus 4, comme ça, ça équilibrera peut-être les choses. Je sais pas, on va voir. Hop, d'accord. Machka protège Contador. De Dieu. Tu vas y arriver, oui. Voilà, on va y arriver, nom de Dieu. Allez, et Contador, on va le faire remonter par contre. Hein, parce qu'il est vachement loin. Allez, on le fait remonter un peu et on va attaquer bientôt, les amis, le Semnose. Bon, pas encore, il y a encore du beau plat ici. Il y a du beau plat, on va rester là. Tranquillement. On est tranquille, voilà. On reste là et on se la coule douce. Tout simplement, il y a Froome qui est pas là. Il doit être là, Froome. C'est Uran et Nao, donc Froome doit être derrière. Il doit être derrière, je pense. Ok. Roche, Creusiger, qui c'est avec Creusiger? Roche, tu protèges Creusiger. Voilà, merci. Tranquillement, comme ça. Faut serrer les coudes, les gars. Faut serrer les coudes, là. J'ai qui d'autre? J'en ai un autre, ouais, j'ai Rogers. Rogers, Rogers, Rogers. Tu vas monter, Rogers. Rogers, tu montes, s'il te plaît. S'il te plaît, Rogers. Ceux qui mènent le train ne vont pas. En tout cas, ça va vite là. On est tous en train de se faire décrocher là. Rogers, même lui, commence à avoir du mal. Pourtant, c'est un bon grimpeur. Hein. Rogers, il a quand même 77-75 en montagne et en vallon. Donc, c'est pas rien quoi. Allez, Rogers qui va remonter. On va protéger les gros leaders. Nickel. Allez, on va le laisser là. Attention, alors là par contre ça va partir, je le sens, mais vraiment. Ah, c'est en train de relayer à mort là, mais vraiment ça balance le train là pour. À mon avis, pour Nibali, pour Froome, pour plein. Froome d'ailleurs, il est où? Je vois pas Froome. Il doit être devant. Ici au-dessous, Amador. Froome, il est là, Froome. Ouh là là, faut que je remonte, s'il vous plaît. On va faire remonter donc Contador. C'est Machka qui le protège. Ouais, on va faire monter Contador. Ah mais ça c'est pour le sprint intermédiaire, ok je vois. Et Rogers était avec qui? Avec personne, il a plus de Roger. Je sais pas ce que je fais. Et Nicolas Roche il était avec Creusiger. Allez. Allez, on va remonter avec Contador. Let's go. Les autres on les laisse un petit peu, de toute façon je vais gagner avec Contador, on est à 21 km. Ok, allez on y va, go go go. On remonte tout. Allez, je vais mettre tout le monde les amis à 80. Par contre, allez, hop, on y va, on est à 20 km, par contre là on va bientôt attaquer les amis, la montée du Semnose. Alors on va quand même se calmer, Contador, on va le mettre à 66, tranquillement, remonte pas trop vite mon gars, et vraiment pas trop vite, hein. Je veux remonter, mais doucement, pas m'épuiser surtout, hop, on est à 19 km,
on en est où? On va arriver. Démarrage du Belge, Maxime Montfort. Ouh là là là. Attention Rodriguez, on y va, donc on va... Allez, on va monter, il faut y aller. Il y a qui? Il y a Froome. Allez, on va repartir. 75. Ça commence à être chaud, il y a Montfort devant. Je pense que c'est pour ça aussi. Allez, on va se mettre à 65. Et dès qu'on attaque, les amis, tout simplement... Le Semnoz, on est parti. Ah putain, je suis obligé de le mettre 75 avec Machka. Machka plus 5. Franchement, je sais pas ce que je fais, quoi. Je sais pas ce que je fais. Ah, il a 0 contre... Non, bah, je vais partir avec les deux. Et on va essayer de s'en sortir avec les deux. Mais bon. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Machka est à 81. Contador, on laisse 75. Il est très bien. Ça va vite, ça va très très vite. Là, il y a Froome devant. Oh là 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 là. Allez, Machka 81. Machka, on va le mettre à 83. Et oh là là, ça me tue de mettre aussi fort, les gars. Allez, go. On est à 14 km. Oh, c'est hardcore. Oh, comme ça va vite avant le Semnoz. Hein. Ce truc de fou. Je vous le dis, moi, c'est un truc de fou, quoi. Allez, heureusement que j'ai Machka pour me tirer, hein, parce que franchement. Heureusement. Allez, on y va, on est à 12 km, les amis. Il y a Froome qui va. Il y a Froome qui va, mon dieu, il y a Froome. Attendez, Machka, on s'en fout qu'il soit plus 5. On va le mettre à 90. Tu vas m'amener là-haut. Moi, je te le dis. Allez, Conti, on peut y arriver. Contador, allez, on y va. Allez, on grimpe. Attaque de Froome, attention. Attaque de Froome, apparemment. Il est parti. Allez, moi, je pars avec. Machka, on le met à 85. Contador, on les laisse à 80. Et on va suivre Machka. Machka est parti. Ouais. Ok. Contador, suis Machka. Bim. Attaque de Rafa Machka. Rafa Machka et Contador qui va suivre. Voilà. Ça, c'est bon. Ah, Froome, tu croyais partir tout seul, hein. C'est ça, hein. Ah ouais, ouais. Bah, t'es mal toubé, mon pote. T'es vraiment mal tombé. Allez, go. Est-ce que je peux relayer seul avec Machka? Du style, alors je tente une combinaison. Et voir pour... Non, donc c'est l'inverse. Machka, on va protéger Contador. Voilà, et avec Contador, on va relayer. Je pense. Voilà, tranquillement. Machka, pourquoi il part, Machka? Attaque de Montfort. Encore 10 km. Machka, il a du mal, là. Machka, il a du mal. Ok. Là, on va se mettre à 65. Tranquillement. Contador, on va le laisser couler. Non, pas trop. Non, j'ai rien dit. Vas-y. Mais on, par contre, on reste à 65. Machka, faut qu'il reprenne un petit peu son énergie. On peut pas reprendre, on peut plus se ravitailler. On est à 9,6 km. Tant pis. Par contre, on va mettre le gel pour Machka. Et moi, je prendrai le gel après avec Conti. Non, au pire, on le prend maintenant. Allez, soyons fous. Soyons fous, les amis. Alors, à mon avis, il n'y aura plus que Froome, Contador et Machka. Là, on n'a pas beaucoup d'avance. Le peloton va jamais revenir. Voilà, il y a Contador et Froome. Machka, Conti, on laisse à 75. À mon avis, on tentera avec Machka et Contador de larguer Froome. Ça n'a pas été évident parce qu'il est trop trop bon en montagne. Ah, il y a Rodriguez apparemment qui revient. Attaque de Rodriguez, les amis. Ok, je vois. Alors, Machka, on est à 8 km. Machka. Contador, on relaye avec Contador. On va se mettre à 80. Soyons fous. Les coureurs franchissent un passage. Comment tu veux faire pour dépasser Contador ou Machka quand je suis à 80? C'est pas possible, quoi. Ah non, vous pouvez pas attaquer, vous pouvez pas, les gars, je suis trop fort. Vous ne pouvez pas. Allez, je vais quand même suivre là avec Conti. Allez, on va se la jouer à la Froome avec Rodriguez et Froome. Soyons fous, Machka, on le laisse tomber. C'est parti. On laisse tomber Machka, les amis. Il en peut plus. Et là, par contre, 7 km. Si, Machka, si tu peux le défendre, en fait, un maximum Contador. Bon, si tu peux, hein. Je dis bien de défendre le max. C'est pas dit que tu puisses. Mais par contre, Conti, on se calme. Il y a Froome devant. On est à 7 km, les amis. On va devoir déposer Froome. Allez, on se calme, on reste où on est. Là, on va relayer parce que Froome commence à prendre de l'avance. Là, je le sens bien, les amis. On va se calmer, on est à 6 km, on va se mettre à 60-59.
On se repose léger. Allez, non, on va pas se reposer. Allez, on va se mettre à 75. On relaye tranquillement. Et par contre, là, je vais placer une putain d'attaque. Machka, il peut plus attaquer, je crois. Il a plus 5, hein, Machka, donc il m'a bien aidé quand même dans la montagne. C'est énorme. Allez, alors là, je peux plus ravitailler personne. Si Cantwell à 5, nickel, à 8. D'accord. Roger non plus. Ok, Conta. C'est bon, on peut y arriver les amis. Contador, on est à 6 km. Est-ce qu'on va attaquer? Rider Rush Dale est en train de perdre contact. Bah, je me doute, attends, c'est pas évident. De quoi essayer de faire une échappée? Ah, apparemment. Attention parce qu'ils sont pas loin, mine de rien. Il y a Sanchez. Ils sont pas loin, donc je vais tenter de partir avec Contador maintenant. On est à 6 km. Faut tenter quelque chose, je pense. Allez, on va tenter quelque chose à 80. Non, attends. Non. Hop, on tente de sortir déjà. Déjà on sort. Ça peut aller au bout. Ah, apparemment ça veut pas. Allez, on va sortir déjà, on va prendre de l'écart. Ça veut pas prendre d'écart si. Si, Machka. J'ai dit protéger Alberto Contador. Non, ça veut pas. Ok. Bon. Ça ne veut pas sortir. Froome tient trop et trop bon. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Bon, faut peut-être que j'attaque là, non? Faut être très attentif, les amis, parce que là, après, on se fait complètement doubler. Ah, Machka est en train de lâcher. Ça y est, Machka lâche. Contador, on va voir. Ah, attaque, attention. Attaque. Ah, ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts. Attaque de Rodriguez. Alors, moi, je vais suivre avec Conti. Je suis. Ah, j'aimerais bien que Froome soit largué, qu'il puisse lui suivre, mais ça, j'y crois pas du tout en fait. Regardez Froome. Et on chie Froome, c'est le moment. On fait redescendre un petit peu la pression. Attendez, on fait redescendre un petit peu la pression. Et on attaque parce que Froome là, il est pas bien Froome. Allez, go, on y va. Froome était pas bien, je l'ai vu son comportement. 3 km. Au dernier pointage, l'échappée est maintenant. Allez, go, go, go. Oui, 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 oui. Allez Conti. Crevaison de Favilli, on s'en fout. Allez, 2,5 km, on y va. Oh le diable. Oh oui, Conti. Oui, oui et oui. Vas-y, Conti. Tu peux le faire. On prend un petit peu d'écart, là. 30 secondes, 34 secondes. C'est bon, ça, c'est bon. Et il a du mal, Contador. Il a du mal, il coince, Contador. Il a du mal, on est 1, ah là 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 là. Il coince, ses amis, il coince. Ah, il y a 33 secondes. Allez, 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 Contador. Garde ton avance, surtout. Allez, allez. Ouais, c'est bon. Vas-y, on peut aller au bout. Par contre, on est carrément mort. Vite, nickel. Allez, go, 99, on s'en fout. On lance tout, c'est fini de toute façon. J'ai plus d'énergie. Alors, je pense que c'est bon. Wow, mais juste, hein, ils me reprennent quelques secondes à la fin. Oh là là, victoire. Ouh, super victoire d'Avelto Contador au dernier. Les amis, pour cette dernière étape. Et Machka qui finit héroïquement. Voilà, bravo Machka, franchement, plus 5, magnifique. Et Moreno qui y va directement de la team Katusha. Ah, ça fait plaisir. Kreuziger, Roche qui suivent, Rogers, nickel. Donc toujours les Espagnols, hein. Samuel Sanchez 9e, 7e, Valverde, Moreno 5e, Joaquim Rodriguez en 3e et 1er, bientôt Contador. Chaud. Oh là, qu'est-ce que c'est dur les épreuves comme ça. Mentalement, il faut vachement suivre. Oh là là. Donc victoire une nouvelle fois de Alberto Contador, le favori de l'étape. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et c'est mon coureur. C'est le plus important. Allez, Cantwell qui apparemment a du mal, il est en A5. Déjà 23 minutes de retard. Bon, ça va encore si c'est que 23 minutes. Je peux comprendre. Allez, et donc la prochaine étape, les amis, si je ne dis pas de bêtises, ce sera les Champs-Élysées. Donc ce sera complètement différent de ce qu'on a vu là. Ce ne sera pas du tout une épreuve de montagne. La sélection des meilleurs moments. Et voici les amis la victoire d'Alberto Contador, toujours magnifique. Et là, s'il n'a pas fait son petit pistolero, et c'est Froome suivi de Rodriguez à la 3ème position. Nous revoyons actuellement la victoire d'Alberto Contador. 2 victoires de suite. Et maintenant, les podiums. Alors, au niveau de l'étape, c'est Alberto Contador en première position, suivi de Christopher Froome et de Joaquim Rodriguez, tous les deux à 24 secondes. Ensuite, différence avec Machka à 1 minute 47, redifférence avec Moreno à 2,06, et ensuite, suit tout simplement tout le peloton. Voilà, au général par équipe, c'est la team Saxo-Tinkoff, première, suivi de la team Katusha et de la Sky à 43 secondes. Ensuite, on passe un palier à 2,25 pour le reste des équipes.
Et voilà encore une fois une belle victoire pour Contador, les amis, c'est magnifique, je kiffe ce jeu et ce coureur parce qu'il est quand même assez bon en montagne dans le jeu. Allez, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette étape numéro 20, les amis. C'était l'avant-dernière de ce Tour de France 2013 sur Pro Cycling. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on finit dès la prochaine fois sur les Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.